Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Corinne du Labo de Corinne, atelier de peinture sur porcelaine. Cette vidéo est la deuxième partie d'une autre vidéo. Sur la première vidéo, nous avons vu le travail fait sur la porcelaine avec une plume. Sur cette nouvelle vidéo, nous allons voir tout d'abord le travail de putoisage puisque je vais faire un fond et ensuite le travail des ombres et des lumières. Pour éviter un nettoyage, je vais tout d'abord commencer par mettre du vernis de réserve, un petit produit qui forme une petite pellicule qui va nous permettre donc de protéger toutes les parties sur lesquelles nous ne voulons pas mettre de peinture. Ensuite, nous allons faire le fond. Et donc pour cela, donc je vais utiliser donc plusieurs couleurs, partir du centre où je vais mettre de la lumière et aller jusque sur les extérieurs donc de ma plaque de porcelaine en plus sombre pour pouvoir faire en fait quelque chose de beaucoup plus foncé et donner une sorte de perspective. Après avoir fait le fond, nous nous contenterons donc de prendre chaque élément de la peinture, enfin du sujet, et nous allons faire donc ressortir les ombres et les lumières. On va en fait permettre de travailler sur les dessus, les dessous, surtout que là nous avons des feuillages, donc nous allons aborder toute cette manière de travailler. Pour comprendre la manière dont on fait un putoisage, vous pouvez aller visionner une autre vidéo sur le sujet où je parle des trois manières de faire du putoisage. Pour putoiser le fond, il va falloir que vous vous munissiez d'un disque à putoiser et vous allez donc poser la couleur en tapotant avec ce disque. Donc en fondant les couleurs les unes dans les autres. Vous allez le voir sur la vidéo. Thank you.
Et voilà, mon fond est terminé. Donc, comme vous avez pu le voir pendant le processus de la vidéo, quand j'ai posé le vernis de réserve, j'ai nettoyé mon pinceau à l'eau. Ne le nettoyez pas avec d'autres produits. Il se nettoie à l'eau. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, après avoir fait le fond et après l'avoir séché, je retire mon vernis de réserve. Donc, vous pouvez le remarquer, mon motif qui était dessous, donc qui est cuit, qui a subi déjà une première cuisson, donc n'est pas sali. Donc, cela va me faciliter énormément le nettoyage. Donc, après avoir retiré le vernis de réserve, vous faites le petit nettoyage des petites bavures qu'il y a pu se faire, parce que bon, parfois on ne le pose pas forcément nickel le vernis de réserve, mais bon, ça nous facilite quand même pas mal de choses. Donc là, je vais par contre me munir d'un pinceau. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser pour ce genre de travaux un pinceau en poil de martre, mais après, d'autres pinceaux peuvent faire l'affaire. Je vais prendre la couleur la plus forte, la plus sombre que j'ai déjà utilisée dans mon sujet. Alors, je vais prendre donc le pinceau, la couleur la plus forte, donc en l'occurrence là un bleu très foncé, et puis donc à nouveau mon disque apitoisé, ainsi que mes pinceaux qui vont me permettre de faire du balayage. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir? Quand vous regardez votre sujet, il faut toujours vous poser la question, quelle est la partie qui se trouve le plus en dessous, le plus en arrière-plan? Donc là, en l'occurrence, vous vous rendez compte que la partie du feuillage que je suis en train de traiter est celle qui se trouve dessous l'autre. Donc c'est celle-ci sur laquelle il va falloir poser la couleur afin de faire ressortir celle du dessus qui, elle, est censée être beaucoup plus claire que celle qui est en dessous. Donc, à chaque fois que vous allez donc essayer de faire ressortir vos ombres et lumières, il va falloir vous poser cette question. Qu'est-ce qui se trouve dessous? Donc ensuite, il y a d'autres choses dont il faut se préoccuper, c'est de savoir comment vous allez donner du volume à votre peinture. Donc les bombés, plus c'est bombé, plus c'est clair, plus c'est creux, plus c'est foncé. Donc ça, là aussi, ce sont des questions qu'il faut vous poser en termes de peinture. Mais là, on travaille sur de la porcelaine, mais en peinture classique, c'est exactement pareil, hein. Donc au niveau de la nervure, il y a des creux. C'est pour ça que je rajoute un petit peu de couleur à ce niveau-là. D'un côté, que je viens fondre avec mon pinceau que j'utilise pour le balayage. Ensuite, il y a par exemple des petites, sur les bords du feuillage, il peut y avoir des petites ondulations. Donc là aussi, il faut vous poser la bonne question, comment je fais ressortir mon petit bombé, comment je vais interpréter mon creux. Donc toutes ces questions sont importantes. Encore une fois, donc il y a un premier feuillage, mais il y a plusieurs feuillages. C'est pour ça que j'ai fait ce sujet, c'était pour vous montrer vraiment quand il y a une multitude de feuillages, une multitude de choses sur un sujet, il faut vraiment bien interpréter et bien positionner. Donc l'ombre et les lumières. Donc là, je vous montre un petit peu quand c'est donc ombré. Et vous voyez qu'en dessous, celle qui n'est pas ombrée, c'est quand même caractéristique. Quand vous ombrez, on a envie de saisir la chose, alors que quand c'est pas ombré, ben, ça fait tout plat, ça fait tout fade. Et c'est comme en musique, une peinture, elle doit être rythmée, elle doit donner la sensation que non, on a envie d'attraper, on a envie vraiment d'avoir du volume. Donc, je ne sais pas si je suis bien claire, parce que c'est vraiment à force de pratique que vous allez comprendre cet effet d'ombre et de lumière. C'est ce qui peut faire vraiment la différence entre deux peintures. Une qui aura du volume et l'autre qui va nous sembler toute plate, même si elle est bien réalisée, hein, là n'est pas la question. C'est vraiment quelque chose
qui fait plus naturel, bien évidemment, quand vous avez du volume. Donc voilà, je m'emballe, mais c'est très important et c'est vrai que mes élèves qui seraient là pourraient le dire. Je suis très très à cheval sur les ombres et la lumière. Pour moi, tant qu'on n'a pas travaillé en ce sens, ben, le travail n'est pas abouti. Et voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, donc chaque élément, même le plus petit, a été revisité en fait pour voir où était son ombre et sa lumière. J'espère que donc ce sujet aura été très utile pour vous, qu'il vous permettra de mieux comprendre donc comment travailler les ombres et les lumières. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'en suis très friande. Et puis surtout, ben, n'hésitez pas à dire que vous aimez. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à cette même chaîne YouTube. Si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, vous pouvez aussi, en tant que débutant sur la peinture sur porcelaine, télécharger mon livre gratuit.